Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous conte la fabuleuse histoire de mes cheveux. On y va, c'est parti! Bon, je vais me décaler légèrement sur le côté pour pouvoir mettre les photos en même temps pour illustrer mes propos. Donc tout a commencé, bien évidemment, à ma naissance, hein, mes cheveux sont arrivés en même temps que moi. Nous allons nous arrêter sur le super cas du casque. Quand je tombais sur la tête, pas de problème, mon crâne était en sécurité. Alors je sais pas si c'est parce que mes parents sont fans de moto que j'ai eu le droit à cette magnifique coupe au bol, le Playmobil quoi. Et comme vous pouvez le constater, nous étions très assortis avec mon petit frère. Merci papa, merci maman, on vous aime. Ensuite mes cheveux ont un petit peu poussé, mais ça faisait peut-être même encore plus la coupe Playmobil du coup. J'ai un souvenir chez la coiffeuse où elle était en train de me faire promettre de plus les manger pour pas les couper trop courts, puisqu'apparemment c'était ma grande passion, bouffer mes cheveux. Pareil une autre fois, désolée à ma pauvre grand-mère, je lui ai foutu une honte pas possible chez un coiffeur en Alsace. J'ai foutu un dawa monstrueux dans le salon, je pense que le monsieur s'en souvient encore. Après ces épisodes plutôt malaisants pour ma famille chez le coiffeur, je crois qu'on m'a laissé un peu tranquille et du coup mes cheveux ont genre poussé. Malheureusement pour moi, la seule photo que j'ai pour en témoigner, c'est une superbe photo sur la plage. Je propose qu'on mette tous un pouce bleu juste pour la paire de lunettes. Ensuite, j'ai eu la lubie de me décolorer le bout des pointes pour les colorer en rouge. Pourquoi pas? Avec des espèces de fausses dreads en laine comme ça, rouge, violet, rose, bizarre. C'était très créatif, disons, voilà. Est arrivée l'époque des études supérieures. Du coup, je me suis retrouvée en appartement chez moi à pouvoir faire toutes les conneries que je voulais. J'ai d'abord commencé par redécolorer bien les pointes, faire du rose, du bleu, du violet, ça a été très rigolo pendant longtemps. Et puis est arrivé des choses dans ma vie et du coup j'ai décidé de changer radicalement de coiffure et je me suis coupé les cheveux là. Arrivé chez moi, évidemment je suis tombée en larmes, hein, c'était la catastrophe de ma vie. Du coup pour accompagner ça, je sais pas ce qui m'a pris mais j'ai fait un henné noir, voilà. Et puis il m'est venu l'envie d'avoir, vous savez, cette coupe à la mode à l'époque, c'est des dégradés partout dans les cheveux, une frange super courte comme ça sur le côté, un peu émo, tout ça. Ignoble. Ensuite, les mois ont passé, même les années, mes cheveux ont repoussé. Je les ai laissés tranquilles pendant un bon moment, genre 2-3 ans. Je leur ai rien fait du tout, je les ai laissés faire leur life. Et puis, le côté rasé. Allez! Alors au début, c'était toujours le but qui s'en occupait. Et un jour, j'ai décidé de le faire toute seule. Et je crois que j'avais pas du tout compris le concept de la tondeuse. Et j'ai fait ça sans sabot. Du coup, je me suis fait un énorme trou en plein milieu comme ça. L'année d'après, je crois, ou peut-être 6 mois plus tard, j'ai demandé au but de me redécolorer les longueurs, mais cette fois un peu plus haut. C'était la mode des ombrés air, tout ça. J'étais pas du tout blonde, mais rousse sur les longueurs. Voilà, j'ai gardé ça un bon moment. Et je me suis fait décolorer la tête entièrement pour la première fois de ma vie. Toujours par le but, toujours avec des décolorations de supermarché qui m'ont donné un magnifique blond vénitien roux orangé bizarre. Ensuite, ça a été les examens, la recherche de stage, tout ça. J'ai vraiment plus le temps de m'occuper de mes cheveux. Et puis, vers la fin de mon stage, je suis passée par une phase jaune poussin, puis un blond doré jauni, puis enfin le Saint Graal, le blond blanc de mes rêves, blond cendré, tout ce que vous voulez. Avec les cheveux super longs, ils avaient tenu les cons. Ils avaient tenu toutes ces décolorations. Ensuite, je suis repartie faire mes études dans le sud-est de la France. Et comme j'étais plus avec ma famille ou des gens que je connaissais, j'en ai profité pour me lâcher niveau couleur. J'ai essayé violet, vert, bleu. Et puis ensuite, tous mes changements de couleur, et ben, vous les avez disponibles sur YouTube. Toutes les vidéos y sont encore, je ne les ai pas enlevées. Il y a eu du rose, il y a eu du menthe, il y a eu du violet, il y a eu du bleu, du vert, du blanc, du gris. Presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets une petite playlist de toutes les colorations que j'ai fait sur ma chaîne. Et donc on en vient à cette couleur aujourd'hui, ce bleu avec mes racines. Alors je sais que vous êtes très nombreux à espérer que je change de couleur plus souvent, mais ce sont mes cheveux et j'en ai un petit peu marre, je suis passée par vraiment toutes les couleurs. Maintenant j'en ai trouvé une que j'aime bien et qui en plus correspond à mon pseudo. Le pastel est une plante jaune qui pousse du côté de Toulouse d'où je suis originaire et qui a permis pendant des centaines d'années de teindre les tissus en bleu. Et puis sincèrement ça me fait vraiment du bien de revoir un peu ma couleur naturelle depuis toutes ces années. Donc je ne céderai pas à la pression, je fais bien ce que je veux et vous devriez en faire autant. Écoutez, voilà, j'espère que cet étalage de vieilles photos dossiers vous aura plu. Rassurez-moi dans les commentaires et prouvez-moi que je suis pas la seule en me racontant toutes vos aventures capillaires dans les commentaires. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.